Ah, le début du fight 1 était impossible. Ah. Ah. T'es dans l'équipe, t'es lui. Et ok, mourir. Ok, toi t'es tuable. Non, toi on va te geler parce que idéalement on voudrait récupérer ça. Toi on va te tuer. Toi on va te tuer. Ok. Merci pour la chance. Thanks for the luck. Toi t'es hautement tuable, toi t'es hautement glaçable, donc c'est cool. Trois ennemis à gérer. On essaye de garder ça, hein, mais si on n'y arrive pas, c'est la vie. Vous, vous êtes relativement tuable. Ok, pas un problème. Non, un problème. Trois ennemis toujours. Ça, c'est les éclairs qui nous font perdre grave du temps. Et le fait que je réfléchisse. Hautement tuable, tuable, hautement tuable. Ah mais je suis con. Ça change strictement rien. Là, j'ai juste perdu le temps de l'animation. T'es sérieux? C'est incroyable. C'est complètement incroyable. Je viens de récupérer la meilleure arme du jeu. Là, c'est gagné. Et c'est récupéré si tôt que... Le Ice Generator, ça freeze tout autour. C'est les As qui saignent, non mais... Ouais, il faut pas se planter, mais c'est si fort que... Eh merde, c'est pas ça qu'il fallait faire. Bon, bref, c'est l'inverse, mais bon. Ah, il fallait que je mette lui sur un truc, c'est con. C'était pas du tout ça qu'il fallait faire, mais ok. Parce que là j'ai perdu un bouclier gratos. Lui est hautement tuable, lui n'est pas tuable. Lui hautement tuable, lui hautement tuable. Je clique mal. C'est ouf, j'ai été trop rapide. Jamais vu de jouer monstre Cataclysme le plus court. Jamais vu de monstre spawn comme ça arrive, ouais, dans cette dans l'île de la deuxième île. Ça arrive.
Mettez-vous en... Voilà, comme ça. Excellent. Non. Et toi, t'es frisable tranquillement. Et... Ouais, mais apparemment pas là. Hop, comment je fais? Comme ça. Toi, on s'en fout. Toi on s'en fout, ok. Donc là on va prendre sur le bouclier et on vole, du coup voilà. On tombe pas. Si ça, si ça avait été n'importe quel autre mec, on serait mort. Il y a 3 ennemis. Et toi je m'en fous, toi tu meurs, toi tu te... Toi on s'en fout. Et là vous mourrez tous. Ah, GG pour tous les achievements, c'est vraiment pas facile sur ce jeu. Ah, ça arrive assez souvent, mais après c'est peut-être sur des missions pas rentables. Ah non, oui on s'en fout. C'est pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Je voulais le tuer, mais lui va peut-être falloir le heal du coup. Ouais, ah tu vas juste... te soigner, toi tu vas tuer lui, toi tu vas tuer lui. Toi t'es bloqué, donc voilà, tu risques pas de nous faire chier. Tu vas juste te faire tuer. Donc maintenant on peut freeze un gros pack et donc là il faut, c'est assez cool. Genre là ils vont tous se faire freeze, c'est bien. Non. Ça c'est très 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 fort. C'est vraiment de très loin la meilleure arme du jeu. Et encore on n'a pas la plus grosse zone. Il y a une taille de plus. Hein. Je sais pas qui je suis. Si j'avais su, j'aurais pris plus souvent. Non, mais c'est complètement pété. Hein. C'est complètement idiot. Mais oui, parce que quand on débute, on se dit ouais, mais c'est pas bien de freeze les ennemis parce que ça les tue pas. Mais en fait, on se rend pas compte qu'un ennemi qui peut pas agir, c'est aussi encore mieux qu'un ennemi qui meurt, quoi. Non! Ok, c'est complètement con ce que je viens de faire. J'ai appuyé sur espace au lieu de cliquer. C'est pas grave. C'est pas grave. Je suis pas fâché. Il faut faire attention de pas être à côté des trucs, donc il va vite falloir ramener ça. Ça devrait pas être trop dur.
Si, en théorie, ça gèle le robot en lui-même, mais tu peux pas être gelé quand t'as un bouclier, du coup, non, ça le gèle pas. Fuck, par contre, je suis dans la bite. Bah, fais chier, je suis complètement con. Oh, c'est pas grave. Le bouclier, c'est parce que j'ai ce pilote là. Je fais un peu n'imp là. Là, je vais avoir beaucoup d'ennemis à gérer. Il y en a plein qui sont pas graves par contre. Toi, tu vas pas mourir tout de suite, malheureusement. Toi, tu peux pas faire grand-chose à part taper là-dedans, ce qui en gère un au moins, mais... Oh, c'est bien. Toi, faut que tu gères lui, et du coup, on va forcément rater la mission. C'est la vie. Sauf si ça résiste, mais je m'en fous un peu de la mission. Faut arrêter de réfléchir autant. Il m'en faut encore. Mais il y a deux pilotes qui donnent des boucliers et les pilotes, bah, il faut forcément commencer avec un pilote donc. Rien de bien choquant. Lui faut tuer, lui faut pousser idéalement, lui faut. Non, j'ai pas. Ah si, comme ça. Je peux pas le tuer, je peux pas gérer les deux. C'était pas ça mon kiff. C'est vraiment pas bien ce que je suis en train de faire. Là, on va utiliser le méga freeze, je pense. Il va y avoir plein d'ennemis à l'écran. Voilà. C'est ça. Faites un tas. Parfait. Ok. Toi, t'es hautement frisable, toi, t'es hautement tuable. Il y a un bouclier man, donc je peux pas les gérer, mais c'est pas grave. Maintenant, tu peux mourir. C'est le dernier tour. Je galère, hein. Voilà. Ah non, il est juste available, putain. Je croyais que je pouvais encore en installer un. Ok, c'est terriblement mauvais puisque lui il explose, il fait chier, mais il a pas beaucoup de points de vie. Donc ça c'est bien parce qu'on va pouvoir le tuer tout de suite, idéalement, peut-être en bougeant comme ça. Non. Okay. Maintenant il est très facilement tuable. Il y a un ennemi hautement gérable. Dernier tour. Excellent. Voilà, là on est parfait.
Donc là, maintenant, la range, elle est si large que un des plus gros problèmes, c'est de pas freeze mes potes. Mais là, par exemple, on peut freeze tout le monde, donc on va pas se... Ou non, on peut pas. Donc là, il y a un seul ennemi, du coup, on va juste le freeze et on va défreeze les autres. Hein. Y a pas tellement de sujets. Est-ce que je vais me prendre le freeze, vous croyez? Non, évidemment que non. Et bon, maintenant, le problème, c'est qu'il y a tellement d'ennemis freeze que ça va les faire paniquer et du coup, ils vont juste attaquer leurs potes pour les défreeze. Et donc, ça, c'est complètement trop cool parce que. Ils sont complètement idiots, quoi. Et maintenant, il y a trop d'ennemis à l'écran pour qu'il y en ait d'autres qui apparaissent. Du coup, on gagne ce temps-là en animation. C'est pour ça que c'est d'autant mieux. Là, c'est un peu moins bien parce que du coup, c'est la mission où il se dégèle petit à petit. Mais bon, c'est un truc qu'on n'arrive pas à gérer. Toi, on va te tuer, ça va être le problème. On va pas pouvoir, si, en bougeant lui. Du coup, en bougeant lui. Non. Il fait chier. On va te tuer, toi, ok. Du coup, toi, on va juste taper dessus. Alors ce qui est un peu con, c'est qu'on l'a dégelé puis regelé, mais du coup il va se dégeler quand même de tous de lui-même et ça c'est relou. On va venir là avec lui et on va venir geler tout le monde, ce qui nous permet de... Non, on va sans doute pas faire ça en fait. Si on va faire ça, ça va protéger les bâtiments. Du coup on risque pas grand-chose au prochain tour, même s'il nous tape dessus. Voilà, ça on s'en fout, ça on s'en fout, ça on s'en fout. Du coup, ça va faire qu'on va juste faire un truc comme ça. Tu tapes sur ton pote, mais c'est zéro grave. Toi, c'est zéro grave. Toi, c'est zéro grave. Le raccourci, c'est un peu chaud, mais on fait notre mieux. Vite plus un move. Là, on va juste tout geler. Hein. Et lui, il faut que je le mette plus devant maintenant que c'est mon frontline. 1, 2, 3, parfait. Du coup, tout le monde va être gelé. Donc, l'idée, ça serait de vous barrer. Donc vous allez être complètement con, toi on va te tuer, c'est parfait. Ok. Ok, il reste un ennemi à l'écran. Il est là. Se mettre là, on va tout geler ici. Là, c'est tout bloqué, donc voilà, c'est très bien. Je sais pas pourquoi je l'ai tué alors que ça faisait un ennemi en moins, donc là, on va avoir un pop en plus, mais c'est pas très grave.
C'est le dernier tour. Donc voilà, ouais, c'est vraiment, enfin ça change 100% la dynamique du speedrun d'avoir ce truc là. Un truc comme ça, du coup il faudrait se barrer avec lui, mais il peut pas. Barre-toi au moins là. Ok, au moins tout le monde est vivant, toi on peut facilement te geler. Ouais, ok. Ouais, ça va super vite. Alors là, il faut plus rien tuer. Il faut faire très attention à ça. Parce que j'ai freeze le connard. Et donc potentiel, pardon. Potentiellement, ça va me baiser la tête. Les tapis roulants sont peut-être chiants, ça va en vrai. Merde, il meurt. J'avais pas vu. C'est la vie. La répa, ouais, j'ai oublié. La cara sous strat, se réparer plutôt que mourir. Ça c'est parfait, c'est ça. Faites un tas, parfait. Donc là on s'en fout parce que enfin ils sont tellement bloqués ici que ils volent, mais ouais il est complètement con ce mec. On est d'accord. J'aurais pas dû le taper parce que bah, ça en fait pas point de plus, mais c'est pas grave. Ah, j'aurais pu le tuer mais c'est pas grave non plus. Non, ah, putain, je voulais mettre le freeze ici et je me suis trop chié. C'est pas grave. Ah, vous êtes si éloignés les uns des autres, c'est terrible. C'est pas forcément trop. Attendez, c'est pas forcément trop grave. Si on fait un truc comme ça. Pas terrible d'avoir commencé comme ça, il y a fond. Bon bref, c'est pas grave parce que lui va mourir vite. Il y a deux mecs à gérer. Ça fait 3, toi t'es 3, t'es hautement tuable, toi t'es pas grave. Parce que tu vas taper à côté, toi t'es hautement frisable, potentiel. Pardon. Pas du tout. Pas du tout. T'es quel connard. Nul.
Zéro. Toi, t'es hautement tuable. Toi, t'es hautement tuable. Enfin, poussable, pardon. Très mauvais tour, là. On reste bien en avance, cela dit. Toi, t'es hautement tuable et t'es pas grave. C'est le dernier tour. Non. J'avais oublié les tapis au sol. Oui, vite. Zut. Il y a mon team qui va faire du bruit, je suis désolé, ça va être compliqué à gérer. Il va juste falloir venir. Ouais, on s'en fout total du train. Mais on va quand même essayer de. De pas le perdre. Si, on va pas y arriver. Je m'en fous complètement. Toi, t'as combien de points de vie? J'aurais pu le gérer autrement, lui, mais bon. Trois mecs. Ça, on s'en fout. Toi, t'es hautement frisable. C'est le dernier tour, de toute façon. Tout le monde est trop fort. Ok, il va falloir freeze tout le monde avec un peu de chance. Je déteste lui parce qu'il fait un gros tas. Bon, ça c'est bien, on va finir là, taper dans tout. Ce qui va nous permettre de faire le tour apparemment. Je sais pas ce qu'il fait lui, hein. Il sert à rien. On s'en fout. Pourquoi j'ai bougé? Il fallait tuer lui. Ah, plus on que ça c'est. Toi c'est pas grave, toi c'est grave, toi c'est pas grave. Restons sans. Fous pas. Toi, il faudrait te pousser, mais je vais pas y arriver. Je sais pas. Je sais pas ce que je fais. Je crois que c'est bon. Ouais, c'est bon. Commencer à abuser avec la voix d'Orange, ouais, c'est complètement fou. Et là, ça va être beaucoup, beaucoup plus facile parce qu'une des grosses difficultés, c'est qu'il y a beaucoup d'ennemis au début qui sont forts. Mais du coup, là, on va pouvoir venir là, tout taper et puis c'est bon, quoi. Alors, c'est chiant parce que lui, il va se défreeze là. Mais c'est pas hyper grave. Là, ils sont bien bloqués. Lui, je vais pouvoir le. De toute façon, tout est gelé, donc on a beaucoup moins de problèmes, quoi. On peut se dire que ça se passe mieux que la dernière game. La dernière game, on était à ça. Encore une fois, j'ai. Oh, je devrais mettre ma webcam dans la fiche pilote, ça serait stylé. Oh, ça serait tant stylé. Vous aussi avez des idées de mise en scène en live. Il reste deux tours, faut faire attention. Euh...
Arrêtez de parler, putain. Ça c'est chiant, il y a tant d'ennemis. Mais il n'y a pas beaucoup de trucs ciblables. Toi t'es chiant, toi t'es pas chiant, toi t'es chiant, toi t'es pas chiant. Toi tu vas pas se faire assez de dégâts pour me tuer. Toi t'es chiant. Toi on a dit que t'étais chiant. Tout juste pour pas mourir toi. Hein. C'est la win, PB et surtout objectif sub 36 et ça c'est cool. Après je m'en foutais si moi allez. On va battre Karl Marx Gaming et ça c'est cool. On n'est pas encore taffé au niveau du record du monde, il va falloir un peu plus de practice que ça. Et c'est, c'est terrible d'avoir une super chance comme ça si tôt dans mon histoire, mais c'est chouette aussi en vrai. On a fait beaucoup d'erreurs de prise de décision et tout. Mais bon, le sub 35, ça va permettre de rentrer dans le leaderboard correctement, quoi. Faut pas mourir ici encore, hein. Y a 5 ennemis, c'est pas gratos, enfin 4 ennemis, j'oublie à chaque fois. Faites un tas s'il vous plaît, faites un bon tas. Voilà, ça c'est pas mal niveau taillisation. Genre on va pousser lui. Toi, il faut que tu meurs. Toi, tu touches lui, tu touches tout le monde. Donc tu vas venir là et tu vas freeze tout le monde. Et comme ça lui, toi t'es dégelé. Et on va avoir que deux ennemis, et je pense que deux ennemis c'est gérable avec ça et ça. Lui va avoir le temps de se réparer. Ah ouais, en plus c'est ça, très bien. Donc toi on peut largement nous tuer. Oui mais là tu meurs si on fait le con. Pas faire le con. La team c'est presque la méta. La méta c'est deux comme ça, mais moi j'aime bien avoir lui pour la sécurité, c'est plutôt coolos. Il va falloir tuer lui. Parce que là on prend plein de dégâts. Un peu con. On va se mettre là, on va pouvoir le tuer. Ce qui va nous permettre de venir là. Toi tu vas pouvoir te réparer. Dernier tour, s'il n'y a pas de grosse cible, on s'en fout. M'en fous. Yes. Ça c'est bien, un petit 33 là. 33-10. 33-10 c'est bien. Ça nous... En plus, c'est 14h, on va pouvoir retourner travailler tranquille. Thanks for the GG's. Merci. C'était la... Ripisoy. Et oui, c'est vrai que t'es mort. Oh là là. C'est juste Penny, du coup, on n'a pas le nom de Ripisoy. On a un bon high score en plus. Non, là ça clique, ça ping à mort. Du coup, si on regarde dans les statistiques, on va avoir notre meilleur squad là. 32-21. Tic-tic. Pas mal. Allez, merci pour les... d'être venu revoir, c'était un bon PB, je suis très content. On est très proche de la Sum of Bust, puisque avoir le Ice Generator si tôt c'était fou, on a juste perdu pas mal de temps au début.